Ce soir, je vous amène dans mon univers des poètes qui ont croisé ma vie. Ça va aller de Marcel Sabourin. Marcel, que vous connaissez pour tous les quatre. Il est un vilain engagement. C'est lui qui, un jour, il m'est arrivé avec ça, le mot Atos. Il dit, tiens, j'ai écrit quatre lignes. Fais quelque chose avec ça. J'ai fait ça. Et donc, on va aller de Sabourin à Péloquet, de Plamondon à Daniel Thibon, en passant de Vigneault à Rimbaud. Et ça va être une magnifique soirée. Et il y a beaucoup de régions du charme, beaucoup, beaucoup, et peut-être trois ou quatre de moi aussi, pour se reposer de temps en temps. Parce que les poètes, c'est lourd. Moi, je suis pas un poète. Je suis un auteur avec l'esprit poétique. C'est pas pareil.
Ça, c'est ma section de cuivre, vous savez, tout augmente. Sauf que là-dedans, j'ai sax, trompette et trombone combinés. Je suis né, ça fait un bon bout de temps. Ça va faire 4 fois 20 ans à la Saint-Jean. Mon grand-père, gros vendeur d'Osmobile, m'a dit, fais-toi pas de bille, t'as frappé le gros loup, j'suis le roi de Rigaud. Ça va faire 4 fois 20 ans déjà. Ah ben là, ça va faire. Je suis né en 4e année. Des leçons de piano que soufflaient dans mon cou. Une femme que j'appelais ma sœur et que j'appelle encore quand j'ai froid dans le dos sur mon banc de piano. Sans le goût que j'avais de lui plaire, de lui plaire. Je suis né quand je t'ai fait l'amour. J'ai eu des yeux, des mains, un corps surgi du tien. J'ai tout eu pour la première fois. J'ai eu jusqu'à des ailes et un cœur infidèle pour tout avoir ailleurs. Je suis né quand je suis parti voyager. Je suis né toutes les fois que j'ai vu que ça ne marchait plus. Puis j'ai tout commencé au début de ce qui restait de moi. Les retours de nulle part vers un nouveau départ, ça ne rend pas plus vieux. On renaît chaque fois plus petit, plus petit. On renaît chaque fois plus petit, plus petit. On renaît chaque fois, mais oui, plus petit, plus petit. Il marchait 20 km par jour, partout dans Montréal, il ramassait tout ce qu'il trouvait. Des soldats de plomb, des boules de Noël, des brosses à cheveux, puis il faisait des sculptures avec ça. Et c'est lui qui m'a appris qu'on pouvait écrire en marchant. Ah ouais, même la musique. Prendre un café et bourriffer dans un hôtel de souterrain. Ne rien vouloir et tout offrir. Malheureusement, pas tout le monde fait ça. Regarder un peu à côté. Dans le miroir, pour ne pas se voir, ne pas aimer ce qu'on a l'air, se faire la barbe, à quoi ça sert? Mets-toi-en pas, tout le monde fait ça. Ouvrir la porte et puis sortir, puis avoir envie de revenir, de se coucher puis de dormir, parce qu'il fait trop beau soleil. Ne plus avoir pour
partir. Mes voisins au pot, tout le monde face au rond. Marcher tout seul sur le trottoir, rencontrer des gens solitaires, aimer mieux regarder par terre les sacs de chips et crapoutis. Les paquets vides de cigarettes, se parler tout seul, se dire d'hostie. Se dire, il est temps que ça arrête, tout le monde fait ça, faites-toi en bon. Tout le monde fait ça.